calcule l'inductivité d'une bobine de 16 cm de longueur à 10 000 spires dont l'air est de 4 x 10 exposant moins 4 mètres au carré. Cette longueur grand L de la bobine vaut 16 cm, c'est-à-dire 0,16 mètres. Le nombre de spires grand N de la bobine est de 10 000. Cette section de la bobine a comme R grand A 4 x 10 exposant moins 4 mètres au carré. Nous cherchons l'inductivité grand L rond de la bobine que nous exprimons en Henry. Et pour trouver cette inductivité, nous appliquons cette formule-là qui est la définition même de l'inductivité d'une bobine. Et dans cette formule, nous remplaçons le mu par mu0 qui est la perméabilité du vide et aussi de l'air et qui vaut 4 fois pi fois 10 exposant moins 7 tesla mètre par ampère. Nous remplaçons le N par 10 000, c'est-à-dire 10 exposant 4. Nous remplaçons le A par 4 fois 10 exposant moins 4 et le L par 0,16. C'est ainsi que nous obtenons comme inductivité pi divisé par 10, c'est-à-dire à peu près 0,314 Henry.